Allez, c'est parti, on reprend les machines à sous, donc direction le jeu là qui pug, donc jeu qui paye beaucoup quand les bonus sortent, quand ils sortent pas, ben, généralement ils payent que dalle. Enfin, bien sûr, machine à sous comme les autres, des fois ils payent que dalle. Alors, 60 balles à mise, 11, 746 pots de départ, enfin balance de départ. Alors, jolie mine d'entrée. Eh ben, 600 balles. Enfin, j'espère qu'il va me prendre des symboles bonus assez rapidement, car... Alors, double wild, 350. De toute façon, cette machine à sous identique aux autres, j'ai déjà fait des gros wins dessus et également des grosses loses, donc c'est toujours la même histoire. Enfin, sur le long terme, c'est quand même le casino qui gagne. Ça, pas besoin d'avoir fait maths sup pour le comprendre. Le bénéfice va rester en place. Alors 100 balles ici. Alors 165, je respire un petit peu plus. Balles de spin, j'espère qu'il va avoir du retour, sinon la balance va se prendre une tarte bien comme il faut. Là, c'est clair que ça rigole pas, 10 spins perdants c'est moins 900 balles, ça peut aller très vite. Alors 600 ici, par contre quand ça paye en conséquence. De toute façon il a filé un win à 600 balles, mais en 6-7 spins perdants il va les reprendre. Ici. Bon ben le bénéf qui aura résisté un petit moment, ben voilà le bénéf il est reparti dans la machine à sous. Alors 1 × 100 par rapport à la mise, 9000 balles dans tes rêves. Enfin c'est possible mais 1 × 100 c'est quand même rare. Triple wild. Alors comment ça nous donne tout ça? 1-0-0-3, ça dégringole un peu. Ouais, sinon je peux tenter encore d'augmenter les mises, mais ça doit être un truc de psychopathe, les mises max, ouais, 120-150 balles. On va rester sur des mises à 90 pour le moment. Alors prochain win, pas grand chose. 45, la moitié. On gagne un diviseur par deux par rapport à la mise. Ah bah c'est clair que vu sous cet angle là, c'est avantageux pour le casino, il paye la moitié de la mise, donc spin gagnant pour le cas. J'aimerais bien qu'il me sorte le bonus à 90 balles de spin, mais ça bien sûr c'est pas gagné. Balles. 360
75. De toute façon, si je passe en dessous de la barre des 9000, je vais réduire quand même les mises. Faut pas. On va pas se suicider trop vite. Alors, voyons voir. Là, je crois que ça va raquer. On va laisser le suspense. J'espère que ça va faire un joli montant au final. Alors, 600, 700 balles, 1000, 2000, 5000, 10 000. Je peux pas rêver, mais là, je commence à devenir curieux. Allez, on clique, 3000. Eh ben, joli, joli. Remonte à 12 800. Ouais, j'avais commencé à 11 746, pas mal. 1000 balles de bénéf. On va rester sur les mises à 90 balles. Eh ben dommage, dommage. J'espère qu'il va finir par prendre les 3 scatters sur les mises à 90. Bien sûr, c'est pas garanti, mais ça pourrait être pas mal au niveau des wins. Bon, par contre, la mise à 90 balles, on va voir si le jeu nous bouffe le win à 3000 balles qu'il a filé. Fort possible, ça peut aller très vite. Alors, bonus chiotte. Ben non. Malheureusement, le rat, il a pas raqué le troisième symbole au bonus. Voilà, 30 spins perdants, ça va faire moins 2007, donc... Si le win à 3000 balles, il va réussir à rester en place. Bonus! Non, pas bonus. Bon, enfin, cette machine à sous, elle aura quand même raqué des jolis wins sur le jeu de base, car généralement, c'est pas évident. Généralement, c'est plutôt le bonus qui rack. Au focan avec les as. 450, c'est mieux. Ah, bonus, un jour ou jamais. Là, on attend, mais... Je sais pas quelles sont les probabilités mathématiques pour que les 3 scatters apparaissent sur ce jeu, mais j'imagine qu'elles sont pas très très élevées. Enfin, comme toute la machine à sous, une petite répartition mathématique des symboles, et hop. Ça file de la difficulté aux joueurs pour gagner les 3 scatters, ce qui est quand même logique. Ouais, le win, bah la ramasse, on avait commencé à 11 746, donc le win il s'est barré, voilà. On avait fait une jolie remontée quand même, mais... Il semblerait qu'on se tape une redescente. Ça va finir par me prendre ce symbole bonus. Bonus, en parlant du rat, en parlant du loup. Alors, Free Game Award, tant mieux, tant mieux. Bon, après ça, je pense qu'on se casse si ça rack. 7 Free Game, j'espère qu'il va pas nous la faire à l'envers. Allez, number one. Mister Lucky Pug, voilà, il nous sort un gros truc. Je pense qu'après ça, on va se barrer, hein, je pense. Des mises à 90 balles, ça devrait rack en conséquence. Alors, Fire Flocan est d'ici, Strof Flocan est d'ici. 200 balles, ben, joli pour un premier spin. Allez, il en reste 6. Triple Wild, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas un énorme win quand même. 830, ben, ça me va. Eh ben sans deck, il aura fini par nous raquer les 3 scatters parce que ça commence à être... Là, je commence à plus y croire. Allez, 3 spins de restant. Du côté du wild, du joli symbole. ...3003, pas mal. Alors il nous en reste 2. Qu'est-ce qui va nous filer le rat ? Ce qui va être généreux, ce qui va faire le rat. Le rat sur l'avant-dernier, le 7ème.
Petit win sur le 7ème. Et bien on monte à 3555, 14 626. C'est un petit arrêt de partie, mais je vais quand même jouer 626. Ouais, avec des mises à 45. 14 000, limite fixée. Oh ouais, joli leader. Un second round de free game dans la foulée, ça aurait été pas mal. Bon, j'y crois pas trop, mais on sait jamais, un petit coup de chance du débutant, triple scatter de round de free game quasiment d'affilée, des fois ça arrive. Enfin des fois c'est quand même rare, faut être quand même réaliste. Joli win sur les derniers spins peut-être. Et ben voilà un joli win, 600 balles. Allez, limite fixe à 14 500. Peut-être arriver à 15 000 balles, ce qui nous fait un petit coup de générosité. Bon bien sûr, aucune garantie là-dessus. Allez, un petit round de free game, si le générateur de symboles attend, il veut bien, il prend les trois symboles, bien sûr, je crois qu'il va pas vouloir. Oh, sans deck, sans deck. Ouais, je préfère un dire. Eh ben, un joli truc sur une mise à 45. Là, on va dépasser les 15 000 balles. 15 000 sans son de loup. Nouvelle limite fixée à 15 000. Allez, go. Ça sent dès qu'on aura atteint le chiffre 15. Ça aurait été l'embelli chez l'embelli. Allez, dernier spin à 45 balles. Si ça perd, on se casse. Est-ce qu'on tire le frein à main, oui ou non? Eh ben on tire le frein à main, 15-0-0-4, c'est quand même pas mal, jolie performance. Enfin, heureusement qu'on a eu les free games, sinon on aurait été quand même mal barré. Allez, close, et on verra pour les prochaines.